écoutez, je vous retrouve pour la quatrième partie, le retour de la revanche des produits terminés. Voilà, on peut dire comme ça. Donc aujourd'hui, le mot du jour, si toi tu ne connais pas le concept du mot du jour, si je te donne un mot que tu me mets en commentaire quand t'as rien à dire, quand t'as rien à me dire, voilà, tu me dis ce mot-là et moi j'ai tout compris, tu vois. Donc aujourd'hui, on va mettre bouteille. Bouteille parce que je commence avec une bouteille de L'Oréal Stylist Crème Corporissante Volume Non-Stop. Oui, ça corporise. Oui, ça corporise. Non, oui, ça structure un peu le cheveu, ça le rend un peu plus épais. Du coup, quand tu fais ton brushing, tu as un peu plus de volume. Après, j'ai beaucoup aimé, mais je ne sais pas si la compo à l'époque, je faisais trop gaffe. Donc, il y a du parabène à l'intérieur. Donc, c'est pour te dire à quel point il est vieux ce truc. Mais je ne sais même pas s'il existe encore. Hein, donc, voilà, hein, tout simplement. Ensuite, ça, c'est un produit que j'avais eu. Tu vois, je les utilise jusqu'à la fin du fin. Donc, je remets de l'eau à chaque fois. Sucre d'orge, bain moussant parfumé que j'ai eu chez Nocibé. C'était un truc de Noël et il y a du parabène, donc non, parabène, alcool, voilà, il y a méthylzéthiazolinone, donc non, je ne rachèterai pas. Je passe au Gliss Schwarzkopf Hair Repair Color Shine. Quand j'avais les cheveux colorés encore, maintenant je ne les ai plus. La compo, il me semble qu'elle était, voilà, de silicone, d'accord. Alcool, accord. Mais il n'y avait pas tous les autres trucs que je retire en général. Donc je l'ai beaucoup aimé. Il démêlait vachement bien, je trouve aussi. Sauf que maintenant j'ai plus les cheveux colorés, donc je rachèterai pas cette version. Mais en général, les glisses, là, pour démêler les cheveux, c'est super bien. Je les aime beaucoup. Donc oui, je recommande. Non, je rachèterai pas forcément cette version-là, mais une autre, oui. Oui, madame. Je passe au démaquillant, la Discoval Cora. C'est une horreur. Ne prenez pas ça. Ça se dédouble. C'est une catastrophe. D'habitude, je ne prends jamais, vous savez, dans les produits terminés, ces trucs-là. Mais quand c'est mauvais, ben, je préfère le mettre de côté pour vous dire de ne pas le faire. Ne faites pas cette horreur. Et les petits non plus. Les petits des tout ronds là. Non plus. Ils sont pas bien du tout non plus. Ils se dédoublent et tout et tout. Et t'en as partout. Après, ça te fait des peluches de coton sur le visage. Donc, non, non. Arrêtons les bêtises, arrêtons là. Je retombe sur un gel douche balai amen, oui, parce que le monsieur Bill, eh ben, il avait réitéré la connerie hein, en plusieurs exemplaires. Donc non, je ne rachèterai pas, puisqu'il y a du phénoxyéthanol à l'intérieur, pardon. Pas de méthyle, mais du phénoxy. Donc non, hein, non. Il faut pas poser ça sur sa peau, hein, clairement. Faut pas, même si ça se rince. Faut éviter quand même. Je passe à des trucs Knep. Alors je sais que Knep, vous l'avez maintenant à Super U et aussi chez Action. Ne prenez pas ça. Non, non. Moi, Hugo, j'ai voulu lui faire plaisir. Hein. Je lui ai mis, je crois que c'était celui-là, là, au citron. Ou celui-là, là, au citron aussi, menthe citron. Bref, il y en a un, c'était tout vert. Donc je pense que c'est celui-là. Il a hurlé, il voulait plus rentrer dans l'eau, hein, tout simplement. Donc non, non, non. Évitez-vous le truc, surtout que c'est super fort. Et l'autre, je l'avais testé pour le citron. Oh, c'est horrible, ça sent. Oh, c'est. Moi, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, c'est trop fort. Ça colore la peau en plus, ces trucs-là. Donc non, non. Ça colore aussi même le calcaire que t'as dans ta baignoire. Donc si t'as pas fait le ménage avant, je te dis pas, t'as du calcaire vert, quoi. Donc non, non, non. Non. Petit masque que j'avais trouvé chez Nose, donc c'est les biodermiques, voilà, à l'acide hyaluronique. Pas mal, mais le masque entier avec le cou, c'est chiant. Quand t'as une petite tête pour un gros masque, ça marche pas. C'était 75 centimes, donc j'ai bien aimé parce que j'adore les masques en tissu et je dis que c'est mieux d'en faire que de pas en faire. Mais après, vous recommandez ça. Pas forcément. Après, pour le prix, franchement, ça vaut le coup. Hein, 75 centimes, c'est pas non plus les masques chez Sephora, je sais pas combien. Donc, allez-y si vous les trouvez à 75 centimes. Voilà. Mais plein pot, je sais pas où les trouver, mais je pense pas que c'est ce prix-là. Et puis, je pense que c'est pas la peine de mettre autant dans un masque en tissu. Je passe au face mask. Ça, c'est lequel? Le blueberry yogurt. Il sent trop bon. C'est un que j'ai eu chez Action. Après, c'est pas non plus les masques, voilà. Les masques, c'est chiant parce que tu vois pas forcément l'effet. Donc voilà, ils étaient pas chers. Je leur achèterais parce que, bien entendu, c'est pas cher. Qu'un masque à 75 centimes, c'est quand même pas non plus la mer à boire. Hein. Et faut dire que c'est mieux d'en faire que de pas en faire. Hein, c'est tout. Et puis c'est plus pratique en tissu. Moi, au moins, tu laisses poser. Hop, tu regardes ta télé. 25 minutes plus tard, une demi-heure plus tard, c'est bon. Hein, c'est fait. Voilà, tout simplement. Donc oui, je rachèterais. Bien entendu, si je devais le faire importer de je sais pas combien avec des frais de port de ouf, non, je lâcherais l'affaire. Mais là, c'est quand même pas non plus le plus cher. Tellement pas cher qu'il n'y en a plus chez Action. Enfin, vraiment, ils sont en rupture de stock parce que chaque fois que les gens en voient, ils en raffolent. Et du coup, c'est super dur de les retrouver. Voilà, donc trouve l'erreur.
Vaut mieux le faire quand même, je le conseille quand même. Je passe à un déo que j'ai pas aimé, c'est le San X-Men que j'ai trouvé sur Anoz, 1,76. Et en fait, je crois que la compo était pas. C'est écrit tellement petit que je vois que je. Il y a du silicone à l'intérieur. Il y a de l'aluminium. Donc non, aluminium, poubelle, tout de suite, je rachète pas, je cherche même pas à comprendre. Du L'Oréal LCF Total Repair des mélanges reconstituants, pardon. Celui-là, je l'ai beaucoup moins aimé que mon Laser 3. Donc non, je ne le rachèterai pas celui-ci. J'ai voulu tester, mais non, 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 non. Je passe à un Perfect Slim Pro L'Oréal avec le truc là qui est censé te retirer la cellulite. Non, une horreur de se tartiner, de se passer ça après. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. J'ai mis trop de temps à le terminer ce truc-là, c'est une horreur. Donc non, je ne recommande pas, je ne le rachèterai pas. Je passe à un shampoing Baptiste, shampoing sec original. Oui, je rachèterai. Ça sent très bon. J'arrive bien à le retirer en fait dès lors que tu as besoin de retirer voilà, la poudre. Donc oui, l'original, je l'aime bien. Voilà, je sais pas s'il y en a d'autres qui font pas cet effet comme fait les autres du Schwarzkopf que tu peux pas retirer le blanc. Celui-là, ouais. Les autres Baptiste, j'en ai testé certains. J'ai dû vous les mettre déjà dans les produits terminés. Je les aime bien, ça me permet, voilà, de quand j'ai les cheveux vraiment trop gras et que je veux sortir, d'espacer les shampoings. Donc oui, c'est quand même des références, même sur la YouTube sphère. Il y en a beaucoup qui aiment, moi j'aime aussi, donc pourquoi pas les racheter, effectivement. Promo de la beauté Leclerc, ils sont plutôt pas chers en plus, donc oui, oui et re-oui. Je passe à un combo que j'avais acheté sur Makeup Revolution, donc Tamme Beauty, c'est Face Before. C'est horrible, ne vous mettez pas ça sur le visage. Ça, c'est une mousse. Alors, en plus, ça coûte une blinde. Je crois que c'était 10$ l'unité. Enfin, bref, je ne sais plus, ou 20$, je sais plus. Il y avait une promo, t'en achetais deux, t'avais moins cher, en gros, quoi. Ça, c'est soi-disant être antibactérien et tout. T'as le sérum plus la mousse. C'est une catastrophe, ça fait ressortir les boutons. C'est une horreur. En plus, ça, le sérum, ça schlingue. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Ça m'a ruiné la peau. J'ai eu du mal à le terminer, mais il fallait que je le termine. Hein, j'avais pas le choix. C'est une horreur, ces trucs-là. C'est une horreur. Je passe à Biface, un plaisir minceur en gel anti-cellulite au chocolat. C'est une catastrophe. Le choco est trop présent. C'est écœurant. Je l'ai mis en gel pour les pieds. Alors, vous imaginez-vous hein, le délire. Tellement ça me prenait aux narines. C'était une catastrophe. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Je vous conseille pas et moi, je rachèterai pas. Une petite crème de chez Garnier, la Total Fresh, que j'ai bien aimée au départ, qui est censée être non graisseuse, mais qui est quand même regressant. Donc voilà, j'étais un petit peu dégoûtée. C'était une petite gelée fraîche. C'était pas mal au début, puis après je me suis rendu compte au fil du temps que ça regressait quand même la peau. Donc non, je ne rachèterai pas. Je ne sais d'ailleurs même pas si elle est encore en vente celle-ci. Je passe à la Revitalift Laser 3 Nuit. Je n'ai pas aimé parce que déjà l'odeur c'était pas de la mort qui tue. Et en plus la texture, c'était une gelée mais un peu épaisse, donc j'avais du mal à la prélever. J'ai pas trop aimé ce truc là et en plus au niveau de la peau ça laissait un film gras, donc non, non, je ne rachèterai juste pas quoi. Je passe à la Maybelline Dream Fresh BB Cream. Non, aussi trop orangé, j'ai pas aimé du tout, ça ne me va pas au teint, donc je ne rachèterai forcément pas parce que ça fait vraiment trop trop oompa loompa quoi, tu vois, c'est vraiment le truc pas possible. Je passe un spray démêlant lissant de chez LCF. Il ne démêle pas bien, je ne recommande pas. Moi, je ne l'ai pas aimé, sans alourdir, d'accord, mais il y a une différence entre de la flotte parfumée, voilà, qui alourdit pas, et puis un démêlant quand même qui démêle quelque chose, quoi. Donc simplement, je ne le rachèterai pas. Je passe à un fa que j'ai adoré. Alors, la compo, je pense qu'elle est pas bien, parce que chez fa, en général, c'est pas top top top. Non, au contraire, voilà, j'ai été mauvaise langue parce que celui-ci, non seulement il sent bon le raisin, ouais, et je crois que je l'avais acheté pour ça parce que au raisin blanc et lait de jojoba, mais il n'y avait pas de trop de. Bon, il y a des PEG, des BHT et tout ça, mais ça c'est pour l'environnement. Mais à la base, je pense à ma peau avant l'environnement, c'est vrai, et il n'y a pas de méthyle.
Il y a du méthyle proportionnel par contre. Bon, c'est tout. Il y a du sulfate, mais il n'y a pas de méthylisothiazolinone, il n'y a pas de parabène, il n'y a pas. Voilà. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Je serais susceptible, lui, de le racheter parce que vraiment, il sent bon. Donc, et puis, je l'ai beaucoup aimé aussi sur la peau de Sébastien. Il rendait bien en fait. Dès qu'il sortait de la douche, je sentais que c'était ce gel douche qu'il avait mis et honnêtement, ça me plaisait sur sa peau. Le combo est, je sais pas, j'aimais bien. Donc, du coup, je serais peut-être susceptible de le racheter rien que pour ça. C'est pour sniffer mon mec, tu vois le truc? Ça vient bon les gars, j'ai presque fini, il y aura peut-être une partie 5 quand même, mais bon. Je passe Garnier Ultra Doux, extrait de citron, je l'ai pas du tout aimé, il laisse trop le film blanc qu'on n'aime pas dans les shampoings secs, donc non, je ne le rachèterai pas. Et puis au niveau compo, ça va, hein, je pense pas que... Voilà. Non, si ça va. Il y a de l'alcool, alors voilà, bon, il y a de l'alcool, hein. Mais non, j'ai pas aimé, ni l'odeur d'ailleurs. Ni l'odeur, ni le... Non, il laisse trop de film blanc, donc non, je ne rachèterai pas celui-là. Je passe à un gel douche que j'adore, c'est la Shower Plus Lotion Fruit, Passion Fruit de chez Fa. La compo en plus est pas mal du tout, en plus, à part le sulfate et le limonène, voilà, et un peu d'alcool. Mais sinon, il n'y a pas de méthyle, il n'y a pas de parabène, il n'y a pas de phénoxyéthanol, donc moi j'adore quand il n'y a pas ça. Et franchement, l'odeur... enfin, ça sent trop bon ce truc-là, quoi. Yaourt et ça, enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Je les avais achetés chez DM aussi. Donc, il y a soi-disant une extra, c'est extra nourrissant parce qu'il y a une lotion à l'intérieur. Moi, je l'ai pas trop senti, mais j'aimais beaucoup parce que c'était doux et puis ça sentait bon. Donc, oui, je le rachèterai certainement si je le retrouve. Ça, c'est clair. Je passe à une lotion Mixa Expert Peau Sensible Eau Micellaire. Donc, celle-là, je l'ai pas aimée. Je préfère. La rouge que c'est pas Mixa qui a fait je crois. Si c'est Mixa la rouge aussi. Je sais plus. Bref, celle-là je suis pas non, je suis pas fan. J'ai pas trop aimé. Je suis pas j'ai pas vraiment kiffé en fait. Encore un produit que je n'ai pas aimé mais parce que je n'aime pas me tartiner, c'est le Dove je l'avais eu en Espagne, une lotion raffermissante. Non, j'ai pas aimé, la compo est pas top. L'odeur ça va. Et ça tourne très vite, donc c'est pour ça que j'avais arrêté de la mettre. J'ai galéré, je l'ai mis sur mes pieds, donc voilà, et je la rachèterai pas. Je passe au Dove Dermaspa Nutri-Essence que j'avais testé pour Leclerc. Donc voilà, tout simplement, allez voir sur la revue ce que j'en pense. Moi, personnellement, je sais que je le rachèterai pas parce que la compo, il y a du phénoxyéthanol, tout simplement, mais je l'avais vu. Donc je l'avais précisé en vidéo, je ne le rachèterai pas pour ça, mais j'adore le format peau comme ça, vraiment. L'odeur était topissime aussi, je suis trop dégoûtée qu'il y ait du phénoxy, parce que du coup, il est très bien, mais malheureusement, il y a du phénoxy dedans. Donc non, reformulez-nous les produits qu'on aime, bon sang. Je passe à cette petite crème visage de chez Nivea, Fermeté Éclat. Alors à l'intérieur, il y avait des nacres réflecteurs de lumière, donc je l'ai beaucoup aimé quand je l'ai déballé, en fait, quand je l'ai la première fois testé. Et en fait, après, ça fait juste trop boule à facettes quand ça s'oxyde. Donc voilà, je l'ai aimé, mais moins aimé que... voilà, je l'ai aimé quand même. Donc voilà, mais je sais plus pourquoi... Bref, j'ai mis trop longtemps à la tester, à la finir celle-ci. Je pense que c'était pas encore les périodes de strobing, du coup, c'est pour ça que j'aimais moins à l'époque. Et du coup, je l'ai beaucoup aimé au début, et quand ça s'est oxydé, je sais pas. Voilà, tout simplement. J'ai bien aimé le flacon pompe, c'est quand même quelque chose que j'aime bien, hein, mais voilà, au bout d'un moment, je m'en suis lassée, et c'est peut-être un peu mon problème des fois, c'est quand les flacons ils sont trop grands. Là, il y a 50 millilitres, il y en a pour une vie, et du coup, tu as tendance à te lasser des choses. Donc, je l'ai beaucoup aimé, je serais susceptible vraiment de le racheter, parce qu'il y a quand même cet éclat dans la crème que t'as pas ailleurs, et que c'est vraiment, ça fait vraiment un effet, un joli effet. Mais voilà, j'ai été lassée de ce produit-là, c'est dommage. Je passe, et ce sera mon dernier produit de la quatrième partie de la revanche des produits tu vois, de la vie, quoi. L'Oréal Edge Expertise Collagène, je l'ai beaucoup aimé. C'était une crème que je vous avais fait gagner avec le site Sublime. Honnêtement, je le recommande. Elle est vraiment pas mal. Je l'ai beaucoup aimé. L'odeur était fraîche. Je l'ai dégommée, hein. Clairement, celle-ci, je l'ai dégommée. Voilà. C'est l'exemple pur et simple des crèmes que j'aime bien. Donc, c'était la 35 plus du jour. Et je l'ai beaucoup, beaucoup aimé.
Donc je peux que vous la recommander, elle est au collagène, franchement, t'es pas dégoûté d'utiliser. Honnêtement, moi, ça a été tout seul. Donc oui, je rachète très certainement. Vu que j'avais dit que j'arrêtais là, on va passer à la cinquième partie, quoi, tu vois, c'était trop long, il y en avait trop, quoi. Donc, suis-moi pour la cinquième partie. Si tu t'en vas, je te fais d'énormes gros bisous, je t'aime d'amour, et puis n'oublie pas que la vie est belle en rose, et puis vérifie que t'es toujours abonné, que tu mets un pouce en l'air pour me soutenir, pour pas que je tombe dans les oubliettes de YouTube avec le nouvel algorithme de merde, et puis vérifie que t'as la petite cloche. Hein, pour les sorties de nouvelles vidéos, hein, pour être notifié quand même. Bon, allez, sur ce, on se retrouve pour la cinquième. Gros bisous, à tout de suite.